Bonjour tout le monde! Y a pas tout le monde! Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de consacrer mon sujet en fait à la gestion du stress et notamment comment par un moyen qui est l'organisation tout simplement. Car moi j'en suis sûre, une meilleure organisation chez vous peut augmenter votre productivité tout simplement parce que vous aurez plus de temps, moins de stress et donc vous serez plus créatif. Alors l'organisation, ça passe par quoi? Ben, ça passe par la vie de tous les jours. Ça va être par exemple une illustration, je m'organise pour les courses. Pour éviter à chaque fois de perdre du temps, ben, je mets mes sacs à courses déjà dans la voiture. Quand je fais mes courses, je les mets sur la porte de façon à les retrouver. Pour aller un peu plus profondément au niveau de l'administration, ben, j'organise mes classeurs en priorité avec des codes couleurs. Par exemple, tout ce qui est prioritaire, ben, ça pourrait être le classeur facture ou la bannette facture. Donc vous mettez un code couleur, facture, les impôts, les fiches de salaire, ça ce sont les risques majeurs. On garde la traçabilité papier quand même si on vit dans un monde qui évolue vers le sans papier, on conserve une traçabilité minimum pour en fait une survie maximum. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas faire confiance à tous ces tiers. Et il y a des fois, il est important d'avoir ces contrats imprimés pour pouvoir de temps en temps revenir dessus et vérifier les clauses, vérifier qu'on est couvert ou vérifier que le tiers fonctionne bien en conformité en réponse à ses propres engagements sur le contrat. Et oui, il faut savoir qu'un contrat, c'est une relation entre deux personnes, vous et le tiers. Donc votre tiers a également des obligations. Et même si le particulier est souvent rappelé au regard de ses obligations, mais ce n'est pas le seul à en avoir. Et on s'aperçoit que bien souvent, les tiers, eux, bah, ne remplissent pas leurs obligations. Alors pour revenir au sujet qui est l'organisation quelque part et la gestion du stress, donc je vous ai dit, les classeurs, on s'organise en code couleur. Et bien sûr, quand vous recevez tout votre courrier à la maison, vous n'avez peut-être pas le classé à la minute parce que vous avez parfois autre chose à faire de plus prioritaire que classer les documents. Donc en fait, il vous faut dans votre petit bureau ou sur un support quelconque, en fait, vous organiser avec trois bannettes ou voire même trois boîtes à chaussures si vous le souhaitez. Sur ces boîtes à chaussures, on va organiser le courrier. Donc ça, ce sera le courrier à classer. Courrier numéro 1. Dans la boîte numéro 1, rouge, courrier à traiter urgemment. Quand je dis traiter urgemment, c'est dans le jour ou le lendemain, pas plus. Dans la boîte numéro 2, ce sera à traiter, mais sur le moyen ou long terme. Et le 3, c'est ce qui a été traité et qui a été ou qui est à archiver. Ou c'est du courrier que vous avez, mais qui ne nécessite pas de mettre en place des actions de votre part. Donc voilà, et de temps en temps, ben, je vais dire, allez, tous les. C'est fonction de la fréquence de réception du courrier et de votre famille aussi. Par exemple, si on imagine que vous avez quatre enfants, mais forcément, vous allez recevoir beaucoup plus de courriers que si vous étiez que tout seul. Donc votre fréquence, elle est fonction de vous. Mais gardez la traçabilité de tous vos courriers. Ça vous permettra justement d'être plus réactif, moins stressé, parce que vous n'auriez pas à courir après les documents. Et pour tout ce qui peut vous servir, conservez. Par exemple, si vous êtes sur Internet, que vous passez une commande, dans votre boîte mail, organisez-vous pour archiver la validation de la commande. Et voire même, avant de commander quelque chose sur Internet, prémunissez-vous et renseignez-vous sur la conformité légale et réglementaire de la plateforme que vous allez utiliser. Par exemple, il y a des plateformes qui vous permettent de vérifier que ben, elles sont bien enregistrées au RCS, autrement dit la Chambre de commerce. Toute activité professionnelle nécessite un RCS. Donc voilà, ça quelque part, ça vous couvre au regard des services et des produits. Parce que si vous commandez quelque chose et que vous ne recevez pas votre produit, ben, vous pouvez engager une action. Néanmoins, ce sera peut-être un peu long et puis coûteux au regard de l'argent que vous avez perdu. Donc vous n'allez pas le faire. Donc si vous n'avez pas envie de perdre d'argent et de ne pas être stressé et de vous sentir plus libre, ben, vérifiez l'information par vous-même et vérifiez la conformité des plateformes. Ça peut être le HTTPS, ça peut être le numéro d'enregistrement à la CNIL, ça peut être une déclaration URSSAF. Attention, il faut un numéro d'agrément URSSAF. Je constate qu'il y a de nombreuses activités qui en fait n'en ont pas et qui pourtant sont enregistrées au RCS.
et pourtant ça fonctionne sans numéro URSSAF. Et j'ai vu des boîtes fonctionner depuis plus de 8 ans comme ça, sans numéro URSSAF et sans que même la réglementation de s'en inquiète. Donc nous, on nous tape sur les doigts dès qu'on n'est pas en conformité, mais attention, vous pouvez utiliser des solutions que vous pensez conformes et qui ne seront pourtant pas conformes. Et ce n'est pas parce que vous faites appel à un grand acteur comme une banque ou un grand groupe assurance que vous pouvez lui faire confiance. Parce que eux aussi sont bien souvent épinglés par les gendarmes de la finance, qu'on appelle la CPR, les autorités de contrôle prudentiel, la Banque de France. Ils n'arrivent pas à vérifier toute la conformité. Donc il faut que vous soyez auto-consommateur et auto-organisé. Donc voilà pour le petit point sur la gestion de votre organisation pour justement diminuer votre stress et accorder un peu plus de temps à vous-même et à votre famille de façon à vous accomplir. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu, voire même qu'elle vous aura apporté un peu de bénéfice. Voilà, je vous dis à bientôt, au revoir.